rien à craindre, mais lendemain, sont assurés entre ses mains, il tient sa vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Sont assumés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son messager. Jésus soit béni. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. On est arrivé dans l'endroit commun. Il est bon, alléluia. Amen. Il est gentil, le barreau des belles. Quel homme que c'est. Vous avez écouté sur cette soirée qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire en travers tous les temps. On traverse tous les temps, Dieu a parlé à son peuple, à sa créature. Il a toujours parlé, Seigneur, depuis 2000 ans. L'évangile est annoncé. Elle a passé des moments difficiles, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a toujours été d'actualité. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Amen. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Ce qu'il disait, il faisait. Ce qu'il faisait autrefois, la terre des hommes... Et encore d'actualité, je suis encore parmi le peuple mandouche voyageur, Cindy, quelle que soit l'ethnie que nous sommes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, l'homme et la femme ne prend pas garde. Dieu parle. Maintes et maintes fois que Dieu a parlé. Dans ces missions que nous vivons aujourd'hui, l'évangile est annoncé. On écoute la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On écoute, on reçoit des coups de téléphone. On reçoit des mauvaises nouvelles. Dans le monde, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Très peu de bonnes nouvelles. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle, alléluia. Jésus, t'amour, l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant. Vous avez remarqué en travers les témoignages dans cette soirée ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable de changer des situations dramatiques où que l'homme ne peut pas intervenir, la femme ne peut pas intervenir, le médecin ne peut pas intervenir, le père, la mère, les enfants ne peuvent pas intervenir. Mais le maître qui est ici, lui, il est capable d'intervenir. Il change toutes les situations. Il n'y a pas d'endroit pour rencontrer Dieu. Le Seigneur se fait connaître par celui ou celle qui le cherche. Le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisse trouver. Il se laisse trouver. Il refuse personne, le Seigneur. Dieu est amour. Alléluia. Vous avez écouté les témoignages. On peut être dans une réunion, on peut être dans une camping. On peut être dans un champ, on peut être dans n'importe quel endroit qu'on peut se trouver, si on invoque l'Éternel. Invoque-moi, dit Seigneur. Au jour de la détresse, je te répondrai. Alléluia. Moi, j'ai rencontré le Seigneur. Hein, vous savez, j'ai rentré en prison, et quand j'ai sorti de prison, j'ai invoqué Dieu, je voulais sortir de cette cage. J'étais brûlé un peu dehors, un petit peu dedans. Mais quand j'ai demandé au Seigneur, et j'ai sorti dehors, et puis j'ai écouté l'Évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Ça va faire 42 ans que j'appartiens au Seigneur. Si je n'avais pas trouvé mon compte, on ne l'aurait pas suivi. Puis il y a plein de gens parmi vous, là, ce soir. Des gens qui ont goûté au monde, qui ont touché au monde. Et puis, ils étaient bien, il y avait des bonnes situations, des bonnes choses. On gagne de l'argent, il y a plein de gens qui ont vécu des belles choses. Mais il manquait quelque chose d'important. On peut avoir tout le trésor, on peut avoir un compte en banque, on peut avoir tout la grande argent, la plus belle campagne, le plus beau camion. Mais si on n'a pas la paix, le monde ne peut pas nous procurer la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Moi, Jésus, je vous donne ma paix, et cette paix de Dieu, elle demeure éternelle, alléluia. Et le frère l'a dit ce soir, je me lève en paix, je me couche en paix, et j'ai même la sécurité dans ma demeure. Quelle beauté d'avoir la paix de Dieu. Le monde ne peut pas donner la paix. Je ne sais pas comment tu es venu dans cette soirée écouter la parole de Dieu. Peut-être maintes et maintes fois, tu écoutes la parole de Dieu, tu fréquentes les réunions, mais tu ne prends pas de décision avec Dieu. Oh, pour toi, c'est beau, ça te fait du bien. Vous savez, je le dis souvent, ça. Un frisson de Dieu ne saute pas.
Oui, on peut sentir la présence de Dieu, le Seigneur, je crois, dans cette soirée, parce que la Bible déclare, c'est la Bible qui nous parle. Deux ou trois réunions, mon nom, je suis au milieu de vous. Il est là, le maître est ici. Et il te demande, alléluia. Alors lorsque le maître est ici, il passe dans les rangs par sa parole, parce que sa parole, elle ne demeure pas seule, elle demeure avec l'Esprit de Dieu, alléluia. Dieu travaille ses deux mains, sa parole et son Esprit ce soir. Et le Saint-Esprit veut te convaincre. Alors tu as peut-être touché maintes et maintes fois par la parole de Dieu. Tu as été touché dans ton cœur parce que Jésus visite le cœur. Il passe dans les rangs, il est auprès de toi, il voit ta vie. Et souvent il a mis le doigt sur ton cœur, sur ta vie. Et tu as été touché, tu as senti le frisson de Dieu. Et tu as dit, oh c'est bon d'être dans la maison de Dieu. Alors tu viens, et tu viens, et tu viens. Et, mais tu ne prends pas de décision. Le Seigneur, il t'aime dans cette soirée, alléluia. Dieu est amour, quelle beauté l'amour de Dieu. Ah, il l'a prouvé, lui. Il n'a pas fait simplement pour le dire. Dieu est amour. Souvent on dit ça comme il y a un Dieu, oh, ça c'est pas possible qu'il se passerait ceci ou cela. C'est facile d'accuser Dieu. On n'accuse jamais l'ami de notre âme. On dira jamais c'est à cause de notre ennemi, de notre âme, que nous sommes dans le bourbier. Des fois dans les problèmes, dans la drogue, dans l'alcool, le foyer est en miettes et on ne peut pas s'en sortir, on ne dira pas. C'est la faute de l'ennemi de nos âmes. On ne parlera jamais de lui. On ne parlera jamais de Shtumun, comme je dis souvent. On n'en parle pas de lui. Mais on accuse souvent Dieu. On dit, s'il n'y a rien Dieu, s'il n'y a rien Dieu, c'est pourquoi je suis dans cette misère. Parce que la Bible déclare, c'est la parole de Dieu. Dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu sur tous les hommes. Et tous les hommes sont devenus pécheurs et privés de la gloire de Dieu. L'humanité entière. Pendant 4000 ans à la naissance de Jésus, la vie déclare le peuple, ils sont foncés, et plus ça allait mal, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et c'est pour ça que Dieu a dit, il a dit, qui enverrai-je? Alors il a regardé sur la terre des hommes, comme il a regardé, puis il a vu, regardez tous les hommes, chaque cœur, il a regardé sur la surface de la terre, il a cherché un homme qui se tenait à la brèche, un homme qui pouvait servir, un homme qui pouvait travailler pour lui, mais la Bible déclare, tous les hommes sont pécheurs, et privés de la gloire de Dieu, aucun qui cherche Dieu, tous sont pervertis. Alors Dieu dit, dans son amour, c'est quand Dieu a dit ça, Jésus répond, de son ciel de gloire, il a dit, me voici, envoie-moi. Et puis le Seigneur est venu sur la terre des hommes aujourd'hui. Alors voudrez-vous parler dans cette soirée du Maître, du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est venu sur la terre non pas comme un promeneur. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Il a dit, tout ce que mon Père m'a prescrit, tout ce que mon Père m'a enseigné, je veux vous l'enseigner. Il a enseigné la parole de Dieu. Alors les gens venaient. De toutes parts, regardez, même Jean-Baptiste, l'homme de Dieu qui baptisait à Enon près de Salim, qui faisait le baptême de repentance, quand il l'a vu passer le maître, le sauveur de tous les hommes, il a dit, celui-ci qui va, regardez, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'était lui, c'était pas n'importe qui. Et les gens l'ont regardé, il y a des gens qui l'ont suivi. Ils ont regardé, puis ils l'ont suivi, il a dit, le Seigneur, les renards, ils ont des tanières, et les oiseaux du ciel, ils ont des lits. Moi, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Il n'est pas venu se promener sur la terre et chercher une demeure sur la terre. Il est venu donner sa vie en rançon. Mais pendant ce temps-là, il a apporté dans le ministère qu'il a apporté pendant ses trois ans et demi de ministère. Quand il a été dans la synagogue, il a dit, voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour ceux qui étaient captifs, l'homme est captif dans son péché, dans sa misère. L'homme ne pouvait pas s'en sortir. Alors Jésus est venu. Et je voudrais vous parler de Jésus ce soir. Quel homme, Jésus? Vous l'avez écouté, les témoignages, dans cette soirée. Vous l'avez écouté que Jésus est capable de changer les vies encore aujourd'hui. À notre 21e siècle, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, il y a combien de personnes qui souffrent? Combien de personnes qui sont dans la misère? Peut-être c'est ton cas. Peut-être t'as une bonne mine devant les gens, tu fais un bon sourire devant les gens, mais ton cœur est attristé. Tu ne trouves pas la paix, tu ne trouves pas la joie, tu ne trouves pas le bonheur. Et t'attends autour de toi des témoignages, des vies transformées, des hommes qui étaient dans l'alcool, dans la drogue, des hommes qu'on n'aurait jamais misé sur eux. Et du jour au lendemain, comme avec ton doigt, on dit c'est pas possible. Comment cet homme a été changé? Comment cet homme a été changé? Sa vie a été changée. Oui, c'est le miracle de Dieu. Amen. Oui, le plus grand des miracles, c'est pas une guérison. C'est beau la guérison. Il n'y a pas plus beau que la guérison. On aime bien avoir nos corps en bonne santé. Mais notre âme, elle a d'importance aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Alors Jésus a commencé son ministère.
Un ministère de guérison, un ministère de miracle. Les gens venaient vers lui, les gens le regardaient, et les gens sentaient dans l'admiration, non pas parce que c'était le Fils de Dieu, mais par les miracles et les guérisons qu'il apportait. Il changeait les vies, les cœurs sont transformés, les cœurs sont bouleversés par la parole de Dieu. Les huissiers, ils ont venu pour le saisir, pour le mettre à mort. Ils voulaient le choper pour le mettre, pour le faire mourir. Mais les huissiers ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Quel langage qu'il avait Jésus. Alors il se met à la portée de tout le monde. Quand toi tu souris, comme tu es malheureux, comme nous sommes dans cette soirée, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit ici. Nous sommes égaux devant Dieu. Sache que Jésus t'aime. L'amour de Dieu est tellement grand ce soir. Allez, pour toi, cet amour. Mais comment tu as recevoir la parole de Dieu ce soir? Mais des mêmes fois, tu as écouté les serviteurs de Dieu dans les missions, comme dans cette mission ou dans les autres missions que tu es venu. Alors, tu as été dans les missions, tu as regardé, tu as dit, c'est des mots. On a passé un bon moment à tes missions. Mais ton cœur, comment qu'il est ton cœur? Comment qu'elle est ta vie? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est pas parce qu'on crie Seigneur, Seigneur qu'on est sauvé. Le Seigneur a dit, c'est celui qui verra la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Il voudrait être sauvé, alléluia. Alors le maître était là, sur la terre des hommes. Comme il était là, quelle bonté, Seigneur. Alors, le Seigneur transformait les cœurs, les gens venaient vers lui, ils le touchaient. Et lorsqu'il le touchait, leur vie était changée. Les guérisons sont opérées par les miracles. Les miracles ne sont pas à leur terme encore aujourd'hui. Ils veulent peut-être faire un miracle dans ta vie. Je ne sais pas comment tu es venu. Tu n'es pas devenu malade peut-être. Que tu dis à personne, tu souffres dans ton corps. Et tu ne veux pas le dire. Mais le Seigneur est capable ce soir de te guérir. Parce que Dieu est d'amour. Le dit Seigneur, a dit celui qui demande reçoit. Demandez et vous recevrez, dit Seigneur. Alors les gens venaient, mais pourriez-vous parler d'un homme? Alléluia! Comment Dieu est grand! Combien que l'amour du Seigneur est grand! Alors c'était pas un juif celui-là! Je voudrais vous parler ce soir, ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 2. C'était un centenier romain! C'était un homme du peuple romain, il était là lui! C'est un homme qui n'appartenait pas à l'église! Il n'était pas un juif celui-là! Mais il avait entendu, quelle bonté Seigneur! Comme ce soir, tu entends la parole de Dieu. Amen. Cet homme a entendu la parole de Dieu, l'a entendu que Jésus faisait des miracles, que Jésus guérissait les malades, que Jésus était capable de ressusciter les morts. Quelle grâce, Seigneur! Alors l'homme-là, l'habitéca, il ne l'avait pas vu, il ne connaissait pas, mais il avait entendu la renommée de Jésus. Combien de fois t'attends la renommée de Jésus? Tu l'as entendu, mais c'est même quoi? Combien, mon ami, ce soir, toi qui dors, qui écoute la parole de Dieu, qui est à l'intérieur. Combien de fois t'as écouté la renommée de Jésus? Tu l'as écouté ce soir par les témoignages qu'il était capable. Alléluia. Il a dit le frère, il allait avec lui dégager. Il y allait, il dit buvez, il allait. Pour lui, c'était comme un petit manouche, c'est comme ça. Alors on en dit bien, parce que les petits manouches sont des petits voyageurs. Alors on dit comme ça. Mais il a réalisé dans son cœur, quelle bonté, Seigneur, de prendre conscience. De prendre conscience comment nous sommes devant Dieu. Est-ce que tu te poses la question ce soir? Est-ce que tu es conscient de ta position devant Dieu? C'est marqué dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu dit qu'il y a un grand livre qui est ouvert dans l'Apocalypse. La Bible déclare que tous les noms des chrétiens sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit? Ne soyons pas des figurants. Ne fréquentons pas les réunions, juste par habitude, et dire Seigneur, j'étais à la réunion, elle était belle, la réunion. Souvent on écoute ça aujourd'hui. Oh, le pasteur, il a bien prêché, c'était bon, il n'y a pas plus bon. Oh, c'était bien quand il a parlé, le pasteur. Ah, la réunion était belle, il y a des beaux cantiques, des beaux témoignages. Mais comment qu'elle est amie devant Dieu? Il y a des gens, vous savez, je vous le dis, Seigneur, ce soir, il y a plein de gens qui ont touché Jésus. Plein de gens, mais qui n'ont pas été guéris. Plein de gens qui ont touché Jésus, qui n'ont pas été sauvés. Parce que celui qui touchait Jésus, la Bible déclare que Jésus lui-même le disait, une puissance sortait de lui. Lorsqu'on touche Jésus, notre vie change. Amen. Notre comportement change, notre vision change, notre parlement change, Amen. Notre témoignage change. Amen. Les gens diront, celui-là c'est un chrétien. Bien, ils l'ont reconnu parce qu'il a dit, celui-ci, ton langage te fait reconnaître. Celui-là était un chrétien. Amen. Oui. Cet homme avait besoin, mais pas pour lui. C'est pas pour lui qu'il avait besoin. C'était pas pour sa famille.
C'était pour un homme qui était dans sa maison. Un homme qui était dans sa maison, un serviteur qui le servait, cet homme-là. Il était là, et puis son serviteur qui était là, ils l'ont emmené au médecin, les médecins l'ont regardé, l'ont consulté, et la Bible déclare selon la parole de Dieu, il n'avait rien à faire, il allait mourir cet homme-là. Mais c'est son tenir romain, un romain, un étranger, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il a envoyé des juifs vers le Seigneur, en disant, Seigneur, viens à la maison pour prier pour mon serviteur va mourir. Mais cet homme, il avait réfléchi, lui. Cet homme, il a réfléchi qu'il n'était pas dit que Jésus rentre sous son toit. Alors, il envoie ses amis vers le Seigneur. Et puis, il dit au Seigneur, Seigneur, ne viens pas dans ma maison, qu'il a dit ce serviteur. Il a dit, ne rentre pas dans ma maison. Je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit. Mais tu dis un mot. Amen. Et mon serviteur sera guéri. Oh, Dieu. Je voudrais vous le dire ce soir, ça a été confirmé par les prêtres alors qu'ils l'ont dit. Un mot, tout peut changer. Amen. Un mot ce soir, ta vie, tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Oh, un mot de Jésus. Dis-le, est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, pour ma vie, pour ma Amen. Famille, pour mes enfants, pour les miens. Dis un mot, Seigneur. Amen, les Seigneur. Situations changent. Amen. Je dis souvent, tourner autour de Jésus ne sauve pas. Mais avoir Jésus dans notre cœur, nous sommes. Oh, Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne voudrais pas être ton ce soir, mais je voudrais qu'on baisse la tête dans un saint respect. Amen, Seigneur. Vous savez, ce n'est pas pour demain, mes amis. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais que toute ta tête soit baissée un instant. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Jésus est grand, Jésus est puissant. Jésus ne change pas. Je voudrais, d'un grand respect, mes frères et sœurs, que tu puisses baisser la tête, toi qui es chrétien, toi qui n'es pas chrétien, baisse la tête, et tu pries ton Dieu, prie ton Dieu. Ton Dieu va te bénir ce soir. Tiens la bonne place, mon ami. Jésus t'aime. Jésus t'aime, alléluia. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu va te bénir. Parce que le Seigneur est là, il est au milieu de nous. Je voudrais vous encourager. S'il y avait une personne dans l'auditoire, en disant, Seigneur, Seigneur, viens mon pauvre ami. Seigneur, sauve-moi, Jésus. Alors lève ta main. N'attends pas ton père, la copine, jeune homme, jeune fille, père et mère. Lève ta main si tu as besoin de Jésus. Lève ta main. On va prier pour toi. Toi qui es dehors, toi qui es devant. Une personne pour Jésus. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, on demande à vos frères chanter quand il faut que nous sommes dans la présence de Dieu. On n'a pas de sentiments. Ce n'est pas les sentiments, mes amis, qui sauvent. Béni, Seigneur. C'est le maître. Gloire à Dieu. Le maître est ici, il te demande. Amen, Seigneur. Il te demande. Ça peut être un grand besoin pour Dieu. En disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à une personne, lève ta main maintenant, maintenant. Lève ta main, je vais prier pour toi. Y a-t-il une personne? Lève ta main, je ne vais pas t'appeler de venir devant. Mais lève ta main, simplement. Et puis la confession va prier pour toi. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Pendant que nous sommes bénis par le maître. Le maître pas dans les rangs, il est auprès de toi, il voit ta vie, mon ami. Il te voit, ma soeur. T'as peut-être un problème dans ta vie. N'arrive pas à t'en sortir. Et cet homme, il a dit, Seigneur, viens, mon Seigneur. Et mon Dieu, Jésus, tout change. Il y a des personnes pour le Seigneur, lève ta main maintenant. Je ne voudrais pas insister, mais certainement qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Le Seigneur te voit. Il y a une deuxième personne pour le Seigneur. Le Seigneur est grand sur toi. Le Seigneur peut dans les rangs. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te remplir. Pendant que le Saint-Esprit t'a l'œuvre sur toi. Venez, viens te voir. Je t'ouvre mon cœur.
Alléluia.
Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Dans la tristesse. Faites ton cœur ce soir. Faites ton cœur est abattu. Combien de personnes qui ont le cœur abattu du poids, Seigneur. Mais Jésus t'aime. Et tu es découragé. Jésus veut te fortifier ce soir, t'encourager. Alléluia. Écoute. Alléluia. Oui, Seigneur. Parce que là, tu es oui, mon frère. Oui, Seigneur. Évoque-le. Alléluia. Profite pendant qu'il est là. Profite pendant qu'il est là. Profite parce qu'il passe dans les reins. Il voit ta vie là, le doigt de Dieu sur ta vie. Le doigt du Seigneur est sur ton âme. Jésus t'aime, il veut te montrer. C'est un lieu redoutable, vous ne vous rendez peut-être pas compte ce soir. C'est un lieu redoutable. Le maître est ici, le Seigneur est ici, est amour, alléluia. Quelle gentillesse qu'est le Seigneur. Quel amour qu'il a pour toi. Pendant que nous avons les têtes baissées, peut-être qu'il y a des malades dans l'auditoire qui auraient besoin qu'on prie pour elle ou pour lui. Approchez-vous devant avec les serviteurs de Dieu, on va prier pour vous. Quittez les rangs, venez devant, on va prier pour vous. Pendant que nous sommes dans la prière. La prière fait mouvoir le bras de Dieu, alléluia. S'il y a des gens qui sont malades, lève-toi de ta place, viens devant, on va prier pour toi. Parce que Jésus est grand, alléluia. S'il n'y a pas de malade, merci Seigneur, mais si tu es malade, tu as besoin de Dieu, viens devant, on va prier pour toi, parce que le Seigneur est grand. Le Seigneur est capable de te bénir ce soir. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Dieu est grand, restons dans la présence de Dieu, restons dans la présence de Dieu. On intercède pour les frères, les sœurs, les deux sœurs. Il y a pas d'autres qui en auraient besoin. Il y a pas des serviteurs de Dieu qui s'approchent. Dieu est grand, approchez-vous. Le temps du miracle n'est pas passé. Ce qu'il fait d'autrefois, il y a 2000 ans en arrière, le Seigneur le fait aujourd'hui, il n'a pas changé. Dieu est un grand Dieu, un Dieu vivant et puissant. Alléluia. Pour être la sangle, prie le Seigneur. Intercédez vos frères, pour vos sœurs. Alléluia. Venez, tu n'as qu'un besoin d'une guérison. Le temps du miracle n'est pas passé. Prière, Seigneur, guéris-la maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Tu connais nos enfants.